Des nouvelles compétitions de football, le projet est depuis des mois dans les tuyaux et sera évoqué vendredi à Kigali au Rwanda lors de la 8e réunion du Conseil de la Fédération internationale de football. Le patron de la FIFA proposera une mini-coupe du monde réunissant les 8 meilleures nations et une coupe du monde avec davantage de participants. Mais les débats s'annoncent houleux. L'idée de Gianni Infantino a été en effet déjà accueillie avec circonspection par l'UEFA, la Premier League anglaise et la Bundesliga. Avec la création en Europe de la Ligue des Nations, les responsables des clubs redoutent un calendrier trop chargé pour les sportifs. Mais à ces appréhensions liées à l'agenda, Infantino brandit le côté financier de son projet. Un groupe d'investisseurs serait prêt, selon lui, à débourser 25 milliards de dollars pour les 12 prochaines années. Et le top départ de la mini-coupe du monde est prévu en 2021. La compétition sonnera le glas de la Coupe des Confédérations.